Horoscope Gémeaux du 26 août 2023. Bonjour. Voici l'horoscope du jour. Horoscope Amour. Vu les turbulences astrales actuelles, il y aura certainement quelques remous dans votre vie de couple. Par moments, vous vous sentirez tout à fait sur la même longueur d'onde que votre partenaire. À d'autres, au contraire, les désaccords se multiplieront entre vous deux, pour des motifs parfaitement futiles en fin de compte. Ce sera justement le plus rageant. Célibataire, vous pourriez succomber à un très gros coup de cœur. Mais il ne s'agira pas du tout d'un feu de paille. Bientôt, vous ne pourrez plus vous passer de cette personne. Horoscope Argent. Si vous devez effectuer d'importantes transactions financières ou régler des problèmes litigieux, vous serez favorisé par Pluton. Mais ce ne sera pas une raison pour commettre des imprudences. D'autre part, attention, vous pourriez être victime d'une escroquerie et perdre pas mal d'argent dans une affaire apparemment banale. Ne signez rien sans garantie. Horoscope Santé. Vous serez en pleine forme grâce à Jupiter en superbe aspect. Vous traverserez la journée avec un tonus à toute épreuve et un moral d'acier. C'est ce qu'il vous faudra pour entreprendre le régime qui semble s'imposer. Certains d'entre vous se sentiront même de taille à se lancer dans une nouvelle activité sportive. C'est ce qu'ils feront de mieux, car Jupiter les soutiendra dans leurs efforts et les aidera à éliminer facilement leurs kilos superflus. Horoscope Travail. Vous aurez besoin du soutien efficace de la planète Jupiter pour vous sortir d'une situation fort embrouillée sur le plan professionnel. Mais avant tout, ayez confiance en vous-même. Si vous commencez par perdre les pédales, alors tout ira de travers. Horoscope Famille. Toute votre énergie se portera cette fois sur votre foyer. Vous aiderez concrètement vos enfants à devenir plus libres et plus autonomes. Ce faisant, vous aurez l'impression d'opérer un changement salutaire en vous-même. Horoscope Vie sociale. Avec plusieurs planètes en bel aspect, attachez-vous surtout à exprimer ouvertement ce que vous pensez ou ressentez, au lieu de ruminer intérieurement tous vos griefs. Cela évitera de brusques explosions de colère, aussi négatives pour votre entourage que pour vous.